l'Acadie, le grain s'entasse. En ce pays, l'argent s'amasse, devient école près d'une rivière, dans une petite maison de pierre. Plusieurs visages à la Résistance, évidemment, mais là, on va passer vraiment de plein d'époques. Donc, de l'époque des Patriotes, oui, mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale, avec un gars comme Léo Major, un jeune homme qui a libéré un village en Hollande à lui tout seul. En France, il a fait 93 prisonniers en solo. C'est une légende. Donc, je vais chanter Léo, je vais chanter Madeleine Parent, qui a défendu les travailleurs, une syndicaliste redoutable, avec son collier de perles. Elle avait de l'air toute délicate, mais elle en avait dedans, la madame. Puis Donald Charron, qui était à la tête de la première grève féminine de l'histoire du Canada, donc avec les allumetières. Donc, c'est toutes sortes de gens qui se sont sacrifiés, en quelque sorte, pour le bien commun, pour des causes qu'ils considéraient plus grandes qu'eux. Pour ce concert-là, on a un invité qui s'appelle Yann Perrault, que j'aime énormément depuis nombre d'années, que je suis sa carrière. Et je trouve ça toujours le fun de participer, de l'avoir avec moi dans les concerts, parce que Yann, c'est un allié de la première heure des Légendes d'un peuple. Il a mis en scène la plupart des concerts de Légendes d'un peuple. Et il est encore impliqué cette fois-ci. Donc, de l'accueillir non seulement dans la production, mais aussi sur scène, c'est très, très fun. Toujours solidaire. Pourtant, c'est une femme qui a quitté la France criblée de dettes. Elle et son mari, ils avaient une petite entreprise de fioritures de vêtements, des petites fleurs, toutes sortes de patentes. Puis ça marchait pas bien. Il était dans le trouble. Et puis, ils sont venus s'installer à l'Acadie. Et puis là, ils sont partis une petite ferme, ils ont fait du grain. Et ils ont fait des sous avec ça. Tant de sous qu'ils ont réussi à pouvoir rembourser leurs dettes en Europe. Mais ils n'ont jamais retrouvé les gens à qui ils devaient ces sous-là. Alors, au lieu de garder ça dans leur poche, ils ont dit, cet argent-là, on va l'offrir à la communauté. Ils ont donc fondé une école à l'Acadie. Ils ont reçu 25 élèves qui ont eu la chance de profiter de leur enseignement. Et c'est eux autres, plus tard, qui ont fondé aussi le premier hôpital à Saint-Jean. Alors, c'est vraiment une vie de résilience. Ils ont travaillé fort. Puis je trouve que c'est un personnage spectaculaire. Il y a un parc ici, dans la région, à son nom. Je n'ai pas été le voir. Il faudrait bien que j'y aille. Mais elle a une chanson aussi, à cette heure. Pas juste un parc. C'est pas moi qui ai écrit le texte. Moi, j'ai animé des ateliers chez Artaud. Qu'on a offert à la population locale. J'ai fait 5 ateliers d'écriture au printemps. Et les gens se sont déplacés, on a choisi des sujets, ils se sont mis au travail, puis moi, je les ai accompagnés dans ce processus-là. Et c'est Doris Morin qui a écrit le texte de Hortense, que j'ai mis ensuite en musique, qui se retrouve dans le spectacle. Dans une petite maison de pierre en Amérique. En Amérique, à force de courage, un pays. Oui, rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté.